Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se trouve sur la piste d'accélération de Clastres. Donc comme vous pouvez le voir là, il y a mes deux GTR qui sont là. Il y a celle de 1500 chevaux, celle que vous connaissez. Une GTR Nismo de 2021, donc de 600 chevaux qui est totalement d'origine stock. Le but d'être venu là, c'est pour vous montrer un peu l'accélération de la voiture. Comme on ne peut pas trop vous montrer ça sur la route, je me suis dit une belle ligne droite de 1,6 km, je pense que ça peut être pas mal. J'avais envie de vous faire vivre ça. Par contre, j'ai eu une petite galère sur la route. J'ai un bruit au niveau de la voiture, donc je ne sais pas si c'est un bruit cloche, cardan, je ne sais pas trop ce qu'il y a. Malheureusement, voilà, il y a toujours des choses. Quand on fait une prépa à ce niveau, à ce stade, il y a toujours des problèmes. Du coup, je vais emprunter la ligne droite. Je vais faire un 200-300 mètres. Je ne vais pas trop tirer dedans. Je vais voir un peu ce que ça donne. Et si la voiture réagit bien, j'essaierai de vous faire un 100 à 200 et pourquoi pas un 100 à 300, mais je suis un peu sceptique. Je sens pas le truc, je pense que je vais pas pouvoir le faire, j'ai pas envie de prendre le risque parce que si je pète quelque chose ou s'il y a un cardan qui pète, imagine la roue à se barre si c'est un cardan, donc je sais pas trop ce qu'il y a. Et malheureusement ici il n'y a pas de pont. Donc voilà, c'est le souci que j'ai eu en venant ici, c'est dans les 5 derniers kilomètres, j'ai eu un bruit. Je me suis dit merde, mais c'est pas possible, depuis le temps que je voulais faire une vidéo ici et qu'il m'arrive ça à 5 km du circuit, c'est quand même un problème. Mais voilà, donc du coup on va quand même essayer de tester la voiture. Je vais vous montrer un peu les accélérations, donc je vous montre les voitures, vous les connaissez déjà. Là il y a une GTR Nismo de 2021 donc, que j'avais jamais montré. Il y a peut-être des gens qui l'ont vu en photo. Donc Nismo de 2021, si vous voulez que je vous explique un peu par rapport à l'ancienne génération, donc ça c'est la troisième génération de la Nismo. Elle a les jantes forgées, elle a beaucoup plus de pièces en carbone, elle a le capot, les ailes, le toit, les céramiques très importants. C'est une belle évolution sur la GTR parce que le freinage sur les GTR, pour ceux qui connaissent, c'est pas top. Ici on a ma GTR de 1500 chevaux que vous connaissez, donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce que je prends le risque? Est-ce que... En fait je suis dans une phase où je réfléchis. Est-ce que je fais une accélération ou pas? C'est à voir. Je vais voir un peu comment ça se comporte. Si je vois que le bruit s'aggrave, je vais arrêter là. Je vais réparer la voiture et je serai obligé de revenir. Donc je referai une vidéo où là je ferai une vraie accélération. Donc je suis un peu dégoûté, je ne vous le cache pas. Mais c'est les joies de la préparation. Bon les amis, il n'y a rien à dire, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a pire. Et si c'était trop facile, ça serait trop beau. Donc c'est les joies de la prépa comme je disais. Donc là, je vais vous embarquer dans la voiture, on va la chauffer un peu, on va faire quelques petites accélérations, puis on va voir ce que ça va donner. Les amis, tout compte fait, je vais pas la prendre parce que je me dis s'il arrive un truc, la boîte, s'il y a un problème de boîte ou de cardan, la voiture va rester là, ça va être la grosse galère. Donc je vais pas prendre le risque, je vais faire montrer la voiture et tant qu'on est là, on va faire un tour avec la Nismo. Je vais vous embarquer à l'intérieur, donc on fera aussi des plans de l'extérieur. Je vais faire un launch control, voir ce que ça donne, voir les performances de cette Nismo. Normalement ça va être pas mal. Par rapport à une GTR normale, je pense que ça doit être bien. Donc j'ai jamais fait, c'est la première fois que je viens sur une piste d'accélération. Donc je vais voir un peu ce que ça donne et puis voilà les amis. Donc je vous laisse découvrir ça. Long days, long and nice. You feel? Now I don't even know, lady. Take it, go. Bon les amis, c'est pas la GTR noire. Franchement, ça n'a rien à voir. Bon déjà, ça envoie fort. Bon, je parle pas depuis tout à l'heure parce que je suis en train de tâter le terrain parce que je le connais pas. J'essaie de prendre les repères, tu vois. Mais c'est sûr que c'est pas la GTR noire. Au niveau accélération, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Bon, je vais dire un truc qui est un peu débile. On va me prendre un peu pour un con.
mais j'ai l'impression que ça avance pas en fait. J'ai l'impression de rester sur place. C'est fou, c'est une bagnole où quand j'avais déjà eu à l'époque. C'est un truc de fou cette bagnole, tu vois. Mais là, j'ai l'impression que ça rame, j'ai l'impression de rester sur place. C'est un truc de ouf. En fait, c'est là que tu te dis, mais c'est incroyable la différence qu'il y a entre celle-ci, donc une Nismo et la noire. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment impressionnant, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un autre monde. Vraiment un invité surprise. Une invité surprise. Les amis, la vidéo se termine là. Malheureusement, je voulais pas que ça se passe comme ça. Le but de cette vidéo, c'était de vous faire voir la GTR noire, mais comme je vous ai expliqué, après tous les problèmes qu'il y a eu, j'ai pas pu faire la vidéo que je voulais, donc du coup j'ai fait une petite vidéo avec la Nismo. Donc j'espère que ça vous a plu les amis. Je vais refaire une vidéo une fois qu'elle sera réparée, et là je vous ferai une belle vidéo sur cette fameuse piste d'accélération. Si tu peux montrer, si tu peux filmer mon cher ami, cette belle ligne droite. Donc cette GTR noire demande que ça malheureusement, mais là elle est un peu malade et j'ai pas pu le faire. Donc je vais revenir avec une nouvelle vidéo qui va vous faire kiffer, que je vais vous faire kiffer, je vais faire un truc super bien.
une fois que la voiture sera réparée, donc je vais essayer de la réparer au plus vite et faire ça au plus vite les amis. Les amis, restez connectés pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent en bas de la vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.